But à chaque fois que Dieu te révèle quelque chose, anytime that God reveals something, il faut vérifier selon les Écritures. You need to examine it or verify through the Word of God, Scripture. Il y a beaucoup de nous. There are many of us. Pour ne pas avoir lu les Écritures. For not to read the Scripture. Si tu n'as pas le don de discernement. If you don't have the gift of discernment or interpretation. Ce qui peut t'aider, c'est ça. What can help you is the Word of God. Dans l'Église, nous avons besoin de ça. In church, we need it. La Bible dit ceci. The Bible says, dans 1 Corinthiens chapitre 12 que je viens de vous donner. 1 Corinthiens 12. Let's go back to the book of 1 Corinthiens 12. À partir de verset 4. From 4. La Bible dit ceci. The Bible says, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Au verset 4. Yet there are diversity of gifts, but the same Spirit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Yet there are differences of ministries, but the same Lord. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Yet there are diversities of activities, but it is the same Lord who works in all. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. For to one is given the word of wisdom. Premier don. À un autre une parole de connaissance. Deuxième don. To another the word of knowledge. Selon le même Esprit. À un autre le don de la foi. To another faith. Troisième don. By the same Spirit. Par le même Esprit. Le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. To another prophecy. À un autre le discernement des esprits. To another discerning of spirits. Répète après moi le discernement des esprits. On a bien écrit ça au pluriel. Le discernement des esprits. There is the plural, discerning of spirits. À un autre, la diversité des langues. To another, different kinds of tongues. À un autre, l'interprétation des langues. To another, the interpretation of tongues. Nous avons combien de dons bien-aimés dans le Seigneur? How many dons do we have, if you can't sit here? 9 dons. Alléluia. Opérer dans l'église. Alléluia. Voilà pourquoi tu es dans le Seigneur. Il est très important. It is very important que tu demandes le don de discernement des esprits. That you need the discernment of the spirits. Or, le don de discernement des esprits, the discernment of spirits, c'est la Bible qui te dira. It's not that will help you. Quand tu ne lis pas beaucoup la parole de Dieu, tu vas appeler l'homme de Dieu. You call the man of God. L'homme de Dieu a le don de discernement. If the man of God has the gift of discernment, il te verra. Then he will help you. Bien aimé dans le Seigneur. Dear brethren, nous voyons beaucoup de dégâts. We do see a lot of mistakes, problems, yes. Dans nos églises. In our churches. Parce qu'il a rêvé telle soeur, telle frère est un sorcier ou une sorcière. Faisons attention. Je répète, faisons attention. Be careful. Jean 10, 10 nous dit, le diable vient pour dérober, tuer, détruire. Alléluia. Amen. Moi qui vous parle, I will speak to you. Suivez-moi très bien. Be attentive. Moi qui vous parle. I will speak. Il fut un moment. There was a time.
Je l'avais toujours dit de mes que cette dit de mes cousines. Qu'elle est sorcière. That she is witch. Alléluia. Je n'avais jamais changé mon attitude envers elle. I did not change my attitude towards her. I never changed my attitude. Je continuais à prier. I continue to pray. Je continuais à prier. I continue to pray. Alléluia. Amen.